J'espère que vous allez bien, moi ça va beaucoup mieux, merci pour vos messages. Hier je me sentais vraiment pas bien, mais j'ai quand même voulu forcer. En fait le matin j'étais un peu malade, je vous dis la vérité. Et je me suis dit vas-y je vais me mettre en off. Et l'après-midi ma belle-sœur elle m'a dit tu vas mieux et je me sentais un petit peu mieux. Du coup je me suis dit allez go, on va sortir avec les petits et tout, on va aller au centre commercial. Et bref j'ai fait mes petites emplettes et tout. Après le soir quand je suis rentrée, catastrophe. En fait quand je suis descendue de la voiture, mon corps, en fait, il faut que j'écoute. J'ai pas écouté mon corps. Et hier, il fallait que j'écoute mon corps. Je me sentais pas le matin. J'ai pas écouté. Et quand je suis de la voiture, je voulais rattraper les petits. Et je suis tombée. Quand je vous dis, je me suis éclatée les deux genoux. En fait, heureusement que je suis tombée pas sur le ventre et que je suis tombée sur les genoux. On va dire que tout mon poids a pris sur mes genoux. Du coup, j'ai une belle égratignure. Je vais vous montrer hier la photo que j'ai faite. J'avais que du sang. C'était catastrophique. Mais bon, heureusement que c'est que mes genoux. Mais. Moi qui voulais avoir des beaux genoux, ça y est, puisque je m'étais écorché tous mes genoux quand j'étais petite, bah là, rebelote, tout était guéri, donc bon, c'est pas grave. Alhamdoulilah, y a rien de grave, c'était sur les genoux. Mais comme quoi, il faut bien écouter son corps, donc voilà, là j'ai bien compris. La chute, elle m'a bien fait comprendre que je vais bien rester à la maison. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est férié, je vais rester à la maison. Mais voilà, je reviens et doucement. Calmos et je vais arrêter de forcer et de vouloir sortir, voilà, faire trop de trucs et tout dehors, sachant que j'ai besoin de rester au repos et ça y est, là je décompte. Donc voilà les filles, alhamdoulilah, rien de grave, mais voilà, petite égratignure, petit bleu, et on va rester à la maison, on va arrêter de courir à droite à gauche. Je voulais vous montrer du coup mes petits achats que j'ai fait hier parce que grave. Grave, grave des bons plans. Franchement, par contre, ça valait grave le coup. À la Valley Village, j'avais vu plusieurs stories où il y avait grave des promos. Du coup, bah, j'en ai profité pour Jamal. Et enfin, moi, j'ai rien trouvé pour moi. Mais je vous montre que j'ai trouvé aussi pour les petits. Je leur ai pris des trop belles petites choses. Chez Lacoste, en tout cas, j'ai trouvé mon bonheur. Et ça, je trouve que ça valait le coup. Alors, pour Jamal, je lui ai pris deux polos. Parce que les deux polos, ils passaient à 129 euros. C'est-à-dire que le prix d'un, bah, t'en avais deux. Donc, ça valait grave le coup. C'était sur toutes les couleurs, sauf trois. Bleu marine, blanc. Et noir, et de toute façon Jamal il les avait déjà, donc je me suis dit trop bien, je lui ai pris des couleurs d'été, donc je lui ai pris ce vert là, il est magnifique, donc trop trop beau, en plus c'est les classiques, c'est la première fois qu'ils font des soldes sur les polos classiques, et je lui ai pris ce crème, donc comme ça il a énormément de couleurs, sachant qu'il a déjà le jaune, le bleu, le blanc, le noir, donc au moins il a toutes les couleurs pour cet été, donc 129 euros les deux, je trouve que ça valait grave le coup, parce que Lacoste c'est vraiment de la super bonne qualité. Donc pour Jamal, je lui ai pris ça. Pour les petits, je trouvais qu'il y avait des super belles choses aussi. Alors, pour le fils de Jamal, je lui ai pris le même polo que son papa. Du coup, il a la même couleur. Regardez comment il est trop beau. Celui-là, pareil, il est passé, je crois, à 40 ou 35 euros au lieu de 50 euros. Donc, je trouvais qu'il valait le coup. Au moins, ils ont les mêmes, des petits jumeaux. Et Jamal, vous savez qu'il a le même polo en bleu ciel. Du coup, bah, pour sa fille, je lui ai pris la robe. Comme ça, ils ont les mêmes. Trop trop belle, elle est pas trop trop belle la robe. Et pareil celle-ci elle était passée en promo je crois à 40 euros au lieu de 50 ou 60 euros. Elle est magnifique la petite robe comme ça pour cet été. Donc voilà mes petits achats que j'ai trouvé à la Valley Village. Franchement ça valait le coup chez Lacoste. L'offre je crois elle est encore valable jusqu'au 8. Donc si ça vous intéresse pour vos enfants ou vos maris, franchement foncez, ça vaut grave grave le coup. Sachant qu'il y avait toutes les couleurs de polo, mais vraiment toutes les couleurs. Au menu de ce midi, les filles, ça va être tagliatelle à la crème et aux crevettes. Donc, je vais faire des petites crevettes sautées à l'ail et tout. Voilà, je vais vous montrer la petite recette avec des tagliatelles et de la crème fraîche. Ça va être trop, trop, trop bon. Est-ce qu'on en parle de ce pyjama? Franchement, il n'est pas trop beau. Et qu'est-ce qu'il est confortable, les filles, les côtelés, j'aime trop. Shane, 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 Shane. Franchement, les filles, il est trop beau. Je suis trop contente d'avoir trouvé ces petits pyjamas. Ceux-là, ils vont aller dans ma valise maternité directe. Parce que je me sens trop à l'aise dedans. Vraiment, je vais vous mettre la ref. Il est trop confortable. Je sais, j'abuse, mais je me sens trop bien. Et franchement, je le trouve trop cute avec les petits boutons là, comme ça. Qui se livre, mademoiselle se sent négligée. T'as beau fixer les règles, au final, c'est compliqué. Ouais. On était d'accord, au final, elle est piquée. Ouais. Elle est prête à tout, tout pour me faire appliquer. C'est parti les filles, on va faire la petite recette, donc tagliatelle.
Hier, j'ai épluché toutes les crevettes. Après, je les avais mis au congélateur, parce que je savais pas quand est-ce que j'allais les faire. Mais voilà, elles vont décongeler très vite, parce que je les ai mis hier. Et crème fraîche, ail, oignon, pour Jamal, du parmesan. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut des épices, sel, poivre, paprika. Je vais chercher ça. Allez, la petite recette pour ce midi, les filles, comme je vous ai dit, tagliatelle. On aura besoin de crevettes, de crème, des épices, paprika, poivre, sel, un peu de parmesan, ça c'est pour Jamal, facultatif. De l'huile d'olive, 3 gousses d'ail, 2 oignons. Donc on va commencer par mettre un filet d'huile d'olive. Donc là j'ai mis 3 petites gousses d'ail et je vais venir ajouter les oignons. Alors je vais laisser cuire les oignons tranquillement. Là on va venir ajouter nos tagliatelles. Là je vais venir ajouter mes crevettes. Et on va venir assaisonner tout ça. On va mettre un petit peu de paprika. Un peu de sel. Et un peu de poivre. Je vais venir ajouter aussi de la crème comme ça entière. Là, je vais venir ajouter mes pâtes. On va venir mélanger tout ça. Dressé, je vais mettre ça dans des petites assiettes. J'ai plus qu'à manger ça ce midi. Et voilà, le repas pour ce midi est prêt. Là, je vais juste rajouter du parmesan pour Jamal. Ça, c'est ma petite assiette. Et j'ai fait l'assiette des petits. Mais les filles, le temps, je serais bien sortie dehors. Mais vas-y, non. Je vais rester à la maison. Mais franchement, le temps, il donne envie. Oh, comment il fait beau. En plus, j'ai fait ma machine ce matin très tôt. Elle est déjà sec. Je suis contente. Il y a encore plein de petites choses pour mon fils. J'ai acheté des petits... vous savez, les petits gants là pour pas qu'ils se griffent. Des chaussettes. Non, mais regardez-moi la taille des chaussettes. Trop chaud. Je l'avais aussi les cadeaux que j'avais reçus, même si c'est pas encore sa taille. Ça, c'est trop beau. C'est un petit bandana. Et tout le monde m'avait dit que c'était un bavoir. Alors que je vous jure, les filles, je suis partie vérifier sur le site. C'est bien un bandana. Avec son petit short. Là, il y a le haut qui va avec. Regardez, il est trop chou. Vous vous rappelez, j'avais eu ça à la Gender Revel. Donc voilà, pratiquement tout est sec. Des petits body comme ça, trop chou, Kiabi. J'ai tout pris, moi, chez Kiabi. Franchement, les filles, j'ai pas acheté trop de trucs de marque pour la naissance, etc. Parce que ça sert à rien. Ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Ma mère en tout cas elle m'a dit que ça servait à rien pour l'instant.
de se faire plaisir de quelques tenues, tout ça. Mais que tout, body et tout, elle m'a dit Kiabi, c'est très bien, H&M, tout ça. Donc, j'ai pas acheté grand-chose de marque. Magnifique tenue, donc c'est un ensemble effet lin. Je le trouve très 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 élégant. Vous voyez la matière, je trouve ça magnifique. En rose un peu fuchsia comme ça, il est magnifique. Vous pouvez le renouer comme ça sur le côté. Il y a des petites poches au niveau des manches, c'est comme ça, c'est retroussé. C'est magnifique. Vous avez le pantalon qui est large comme ça en bas. Voilà, avec une petite paire de mules, une petite paire de claquettes, un petit sac à main, une paire de lunettes. Je trouve que ça fait hyper beau. Même en été et tout, la matière elle est pas trop épaisse. Donc franchement, celui-ci, gros 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 coup de cœur. Je l'ai pris en plusieurs coloris, il est magnifique. Ensuite, on a cette robe satinée effet tie and dye. Vous voyez en fait sur le bas de la robe, elle est beaucoup plus foncée avec des couleurs un peu bleu satin. Elle est trop belle. Vous pouvez la renouer comme ça à la taille derrière. En fait, à l'intérieur, vous avez une petite ficelle. Vous l'avez en effet un peu papillon comme ça avec les plumes. Elle est sublime la robe, vraiment elle est trop belle. Je la trouve hyper élégante, tellement agréable à porter, trop belle. Les petits effets tie and dye en dessous, il est trop beau. Et puis ensuite on va passer à cet ensemble, il est vraiment super canon. Donc c'est le même que le prune niveau matière, sauf que celui-ci il se noue pas sur les côtés, rien du tout. Il est vraiment beaucoup plus simple. Il est trop beau, vous voyez derrière, il est bien large, mastone. Au niveau du pantalon, vous voyez, il tombe super bien. J'aime trop la coupe en bas. Franchement, il est canon chez canon. J'aime trop le vert kaki. Celui-ci, il est vraiment super beau. Et au niveau des manches, il est comme ça. Un petit détail que je voulais vous montrer sur le pantalon. Vous voyez, il y a une toute petite couture comme ça, tout le long du pantalon. Il est vraiment super beau. Au soleil, on voit un peu mieux la matière. Donc autant le pantalon comme le haut, je le trouve super beau. J'ai un petit truc là. Toc. Vraiment la qualité et tout, j'aime trop les filles. Effet lin comme ça, c'est hyper tendance. Alors ensuite les filles, j'ai pris cet ensemble trop canon, donc t-shirt comme ça en beige. La matière, elle est trop confortable, il est léger. En fait, il y a des petits détails comme ça, vous voyez, sur partout, sur les manches, partout sur le t-shirt. Vous avez le bas comme ça, hyper confort, les filles. Franchement, l'été et tout, vous sentez trop à l'aise dans ça. Donc voilà pour ma tenue. Alors ensuite, les filles, j'ai pris ce kimono qui est juste magnifique, en gris comme ça. Regardez les détails sur les manches, comment c'est super beau. C'est magnifique. Donc, je l'ai mis avec une petite robe beige en dessous que vous pouvez acheter séparément, qui est aussi très belle. Je vous montre bien les détails du kimono. Parce que pareil, ça, je trouve ça hyper élégant avec une petite paire de talons, un petit sac à main. Je vous montre juste la robe qui est en dessous. Pareil, qui est hyper confort, que vous pouvez mettre aussi sans kimono. Donc, au niveau des manches, des épaules, elle est comme ça. J'aime bien la matière. La matière, elle est hyper douce, hyper agréable. Donc, je l'ai pris comme ça en crème. Elle est vraiment super belle. Très simple aussi, ça aussi. Il y a juste à accessoiriser, ça fait super. Alors ensuite, les filles, on a celui-ci. C'est un ensemble asymétrique. Vous voyez, en fait, devant, il est court. Et derrière, il est comme ça, hyper long. Vous avez le pantalon qui est fourni avec. Pareil, la matière, c'est un peu une matière effet lin, mais tout noir. Franchement, avec des petits détails, ça pareil. Petite paire de lunettes de soleil, petit sac à main. C'est hyper classe, hyper canon. J'aime trop. Donc celui-ci, pareil, fait partie de mes coups de cœur. Oh, avec une paire de talons, incroyable. Je me vois trop bien, ça fait hyper élégant. Et les filles, on va terminer par cet ensemble kimono gris chiné. Il est juste magnifique, pareil.
que le premier, sauf que celui-ci, les filles, il est un peu plus différent. Vous voyez, il n'y a pas les détails comme ça de pliure sur les manches. Et surtout, là, vous voyez, le nœud, c'est beaucoup plus épais. L'autre, il était un peu plus fin. Donc ça, il est un peu plus différent. Donc il y a des petits détails qui changent au niveau des manches et ici. Mais la couleur, pareil, j'aime trop gris chiné comme ça. Franchement, coup de cœur. Donc voilà les filles, je vous ai fait ma petite sélection. C'est la dernière offre que je vais pouvoir vous partager de moins 40% chez My Adaya parce que c'est le dernier jour des French Day chez eux. Donc profitez-en les filles, vous allez avoir moins 40% pour les 40 premières. Ensuite, le code, il passera à moins 25%. Donc franchement, foncez, saisissez, il y a de super belles choses. Comme je vous dis tout le temps, My Adaya, je vous présente très 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 souvent des pièces de leur gamme parce que déjà c'est de la qualité, c'est super beau et surtout s'adapter à beaucoup de personnes parce que comme je dis, c'est des vêtements mastour, donc j'aime trop 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 cette marque. Donc je vous mets le code juste après. Trop contente parce que ça y est, c'est la fin. Là, dès que je peux voyager, go au Maroc, je vous jure. Dès que je me sens prête, quand j'accouche et que j'ai le passeport, j'ai déjà commencé à faire la pré-demande là. Commencer à prendre rendez-vous avec le photographe et tout. Parce qu'en vrai, il y a plein de choses à faire après l'accouchement. Inscription mari, inscription en mairie, tout ça là. Je me suis bien fait une note de tout. Les démarches administratives à faire, comme ça je suis en règle et au plus vite je pourrais partir. Ah, j'ai hâte. Ah, vraiment les filles, je suis trop contente, je suis trop fière de nous, vraiment de nous. Il veut pas quitter le Maroc. Moi aussi. Jamal, il a mis des petits coussins dans son van. Fais voir, Jamal. En din comme ça, qu'est-ce que c'est confortable. Il en a mis partout sur les sièges. Trop confort. Super bonne idée. Là, là, les filles, j'allais venir prendre une glace à Morino. Oh la queue, oh là 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 là. Elles sont vraiment bonnes ces glaces, je vous le dis. Vraiment pistache de chez Amorino, il est incroyable. Celle-là, j'ai pris trois parfums moi. Pistache, chocolat et vanille. Les filles, on va aller faire un petit tour au parc avant de rentrer à la maison. Ouais, il est bien ce parc. Il est top de chez top. Je vous montre les filles ce que j'ai pris à la pharmacie. Je lui ai repris en fait tout simplement les shampoings qu'elle utilise au quotidien. Comme ça, elle est même chez papa. Donc en fait, c'est la marque Les Secrets de Loli parce qu'elle a les cheveux très
bouclée. Et franchement, elle a des super beaux cheveux, machallah. Donc, c'est ça qu'elle utilise. Elle me dit ça à maman. Donc, le shampoing Perfect Clean, je crois que c'est ça. Moi, je m'y connais pas trop, mais je peux boucler. Et la gelée capillaire, celle-ci, l'orange. Donc, pareil, ça, c'est des ingrédients naturels, 99%. Là, pareil, on est sur des 99%. Et à ce qui paraît, ils sont top de chez top. En tout cas, elle a des super beaux cheveux, machallah. Donc, je lui ai pris les mêmes pour la maison. Bon allez les filles, let's go, retour à la maison. Ça m'a fait du bien de sortir une à deux heures. Même si je suis partie toute la journée, franchement ça fait du bien un petit peu. Je suis une pile quand même, j'arrive pas à rester vraiment toute la journée. Franchement c'est dur. Donc là ça y est, on va rentrer. Alors les girls, vous allez être trop contentes, j'ai enfin une offre pour les soutifs Rosomia, c'est rare que j'en ai une. Donc là je vais vous partager l'offre, ça les filles, c'est tellement une de mes deuxièmes meilleures découvertes en 2023. Vous savez, c'est les soutifs sans armature et invisibles sous les vêtements. Alors ça franchement les filles, je l'utilise tous les jours. J'en ai plusieurs coloris, j'en ai des noirs, d'ailleurs celui-là il est un petit peu taché, je l'ai un tout petit peu taché ici. J'en ai des noirs, des roses, des nudes, franchement les filles, niveau confort, mais qu'est-ce que ça m'a changé la vie, mais vraiment sans exagérer. Parce qu'en fait les filles, c'est des soutifs sans armature, vous voyez, vous n'avez pas la grosse barre comme ça là, qui vient vous compresser, surtout que c'est cancérigène, ça, il y a des études qui ont été prouvées que c'est cancérigène, donc à éviter les soutifs avec armature les filles, vraiment, donc ça va vous apporter du confort et surtout comme je vous ai dit c'est invisible sous le vêtement, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les traces de couture. Bon, ce pyjama il est un petit peu transparent vous voyez et pourtant on voit même pas le soutif parce que vraiment niveau confort et invisibilité, mais franchement c'est les meilleures qualités sur le marché. Au toucher il est super doux, vous avez plein de coloris comme je vous ai dit, vous avez noir, nude, rose et vraiment les filles, quand je vous dis que les avantages ils ont rien à voir avec les soutifs classiques depuis que j'ai découvert ça, vraiment quand je vous dis ça m'a changé la vie. Mais le confort, je suis plus là en train de, dès que je rentre la première chose que je faisais c'était de retirer mon soutif, bah là je le fais plus du tout parce qu'il n'y a pas l'espèce d'armature qui vient comme ça compresser votre poitrine, vraiment ça fait trop mal, c'est hyper désagréable. Ça vraiment, franchement c'est vraiment ma meilleure découverte en 2023. Donc c'est la marque Rosomia. Donc moi j'ai pris plusieurs tailles, j'ai la taille S et j'ai pris la taille M. Au jour d'aujourd'hui c'est la taille M qui me convient beaucoup mieux parce que voilà, avec la grossesse j'ai grossi. Avant la taille S à ma je vous ai dit les filles, ça fait partie d'une de mes meilleures découvertes. Vraiment, ça m'a changé la vie niveau confort. Je vous conseille d'en prendre deux les filles. Déjà parce que c'est avantageux niveau prix. Et surtout niveau couleur. Au moins, vous avez plusieurs coloris, c'est mieux. Donc moi, j'ai plusieurs couleurs. Mais vraiment, c'est bien d'avoir un noir. Vraiment, au moins, ça passe partout. Et un nude. Parce que c'est hyper pratique, les nudes comme ça. Ça se voit pas sous la peau. Ça se font un peu sur la peau. Quand vous mettez des habits, on va dire, un peu accrochés, transparents. Moi, je mets ça, ça se voit pas du tout. Donc c'est ce que je mets quand je mets... des robes accrochées, vous voyez, avec les petits trous là. Ça se voit pas du tout quand je mets ce genre de soutif. Donc je vous conseille d'en prendre deux. Surtout que là, vous avez moins 20% avec mon code. Et c'est cumulable, c'est-à-dire que vous avez moins 20% sur tout le site. Plus le deuxième soutif, il vous revient directement à moins 30%. Donc c'est plus avantageux d'en prendre deux. Donc je vais vous mettre l'offre directe. Et franchement, les filles, foncez, pépite, mais pépite, pépite, pépite. Alors là, ici, on est sur... petite activité Marelle et coloriage. Oh, il est trop mignon. C'est l'heure de se mettre tous en pyjama. Mais c'est l'heure de se mettre tous en pyjama et d'aller manger et après dodo. Mais ça va pas. Là, c'est la fête à la maison là. D'avoir peur. 1, 2, 3.
les filles, je vais aller me faire une petite douche. Demain, pareil, grosse journée. Il faudra que je trouve des cadeaux pour mes neveux. Oui, c'est mes neveux. C'est les neveux de Jamal, parce que c'est les enfants de sa sœur. Mais pour moi, c'est mes neveux et nièces. C'est pareil, c'est la même chose. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est, en vrai, c'est mes neveux et nièces. C'est la même chose. Donc, il faut que je leur trouve un cadeau chacun. Un pour Salah, un pour Chérine. Parce qu'ils font l'anniversaire en même temps. Ma belle-sœur va leur faire l'anniversaire en même temps. Donc, ça sera samedi. Donc, je vais aller chercher les cadeaux demain. Il faut que je trouve un truc pour une jeune fille de 16 ans, 17 ans du coup, et un truc pour un petit de 12 ans. Et il faut que je trouve un truc par rapport au foot. Je vais chercher ce soir comme ça demain. Je vais aller chercher ça le matin dans les magasins. Bonjour. Attends, mais là ici. Oh! Oh. Oh là là. Il fait du foot. Aïe aïe aïe. Il fait de la boxe. Oh, tu sens la dinguerie ou pas? Wow. Oh. Bah, hop, c'est violent. C'était...